get that bitch wet. We've been going on for too long. Can't get enough for the shoe on. Really ain't nothing left to drop that. Wake up in the morning, make it all back. We've been going on for too long. Eh bien, salut tout le monde, c'est Aurélien 48226. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur Arma 3, pour vous présenter le mode Wasteland. Donc on va tout de suite commencer. Je suis en indépendant et je suis sur un serveur allemand, je crois. Donc je ne sais absolument pas le nom, ce n'est pas sur lequel je joue habituellement. Donc, je vais vous présenter vite fait ce que c'est Wasteland et tout. Donc Wasteland, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un jeu... Enfin, c'est un mode, plutôt. Un mode du jeu Arma 3, qui existait déjà sur Arma 2 et Arma 2 Opération Arrowhead. Donc, le but du jeu consiste... But du mode consiste, c'est mieux. Le but du mode consiste à capturer des zones. Et, par exemple, aller attaquer des convois armés et tout pour récupérer les véhicules et mieux se taper sur la gueule contre les autres équipes. Parce que oui, ça se joue en plusieurs équipes. Il y a trois équipes, les Up 4, les Blue 4 et les Indépendants. Moi, là, je suis en Indépendant, donc si vous préférez les Rouges, les Bleus. Et les Indépendants, donc les Verts. Moi, là, je suis en Indépendant, comme ça, il n'y a pas de truc d'équipe et tout. Donc, comme vous pouvez le voir au camouflage. Oh, quoi que... Non, ça, c'est le camouflage que tout le monde a, j'ai l'impression. Sur certains serveurs, c'est des camos différents. Mais là, c'est le même. Donc, je commence avec un Rook, je crois. Donc c'est une arme 9 mm. Et le but ça va être de fouiller des véhicules. On va se mettre debout. Donc fouiller des véhicules en faisant inventaire pour récupérer des armes. Enfin la lunette de snipe ça va aller quoi. Juste un coup. Je crois que je vais pas la prendre parce que ça va être la merde sinon. Donc il y a... Ouais ça va être la merde. Donc il y a la gestion de la faim, de la soif. Comme c'est en même temps de la survie. Hein. Vous avez de l'argent pour vous acheter des armes, de l'équipement, etc. Votre vie, le nombre de personnes qu'il y a sur le serveur, la soif, la faim, comme j'ai déjà dit. L'argent en banque, votre nombre de FPS et le temps depuis combien de temps vous êtes sur le serveur, je crois, et votre... Et l'azimut, j'ai l'impression. Attendez, je vais regarder... Ouais, c'est ça, c'est l'azimut. Hop, donc on va monter dans le petit camion en conducteur. Et on va essayer d'aller looter. Ben là-bas, il y a un Zamak. On va un petit peu jouer normalement pour vous voir à quoi ressemble le mode. On peut construire des bases avec des objets qu'on trouve. On peut remorquer plusieurs véhicules ensemble, etc. pour en ramener à notre base. C'est franchement bien fait. Donc comme vous pouvez le voir, il y a voir le contenu du véhicule, ça c'est pour revoir les sacs de sable et tout pour construire les bases, les murs. Parce qu'il y a un inventaire exprès pour ça. Si on peut aller là. Ah une MX. Je préfère la MX avec le low sight. Et le petit silencieux, hop, voilà. Trousse de secours ça sert à rien parce que je suis solo et c'est pour soigner les autres, pas pour soigner soi-même. Voilà, ça c'est nettement mieux la petite MX là. Alors on va continuer hein. Donc, on va essayer de trouver un autre véhicule un peu mieux que la petite camionnette. Et on va pas prendre le Zamak, c'est trop gros. Donc vous avez première et troisième personne bien sûr hein. Ça dépend des serveurs où ça pue. Donc ça c'est un ennemi. Le petit Strider. On va monter en conducteur du Strider. Donc qui est un véhicule blindé celui-ci. Et pour celui qui a peur d'abîmer ses véhicules, n'ayez crainte. Car contrairement à Altis Life, les véhicules... ils sont indestructibles en fait. Ils sont indestructibles. Vous pouvez vous prendre 40 tarbes d'affilée à pleine vitesse, aucun problème. Donc vous pouvez regarder, on va voir ici sur la carte. Donc sur la carte, il y a les zones à prendre. Donc les villes, oh c'est du Altis par contre. Moi je préfère le Stratis, c'est plus petit, il y a plus de contact. Là les objectifs, les croix.
Les objectifs ils viennent s'ajouter aux captures de zone. Gun store, general store et véhicule store, là, avec les ATM pour vous mettre votre argent en banque. Et là, gun store et tout, bah, vous l'avez compris, c'est pour vous acheter des trucs. C'est le véhicule, donc pour vendre votre véhicule. Et nous, on est ici, on est tout en haut et on va aller prendre cette ville-là. Merde. On va aller prendre cette ville-là. Voilà. Et après, on va aller faire un petit objectif. J'espère tomber sur du monde. On va les défoncer. Parce que c'est un peu le but du mode pour celui qui aime bien le PVP, surtout. C'est ici qu'il faut venir. Donc là, point de vue arme, on est à peu près bien équipé. Une AMX, c'est pas mal. Moi, j'adore la AMX. Donc voilà. Donc on est déjà pas mal. Allez, on va mettre le turbo. Je crois que je vais commencer une petite série. Avec encore une série, vous allez me dire. J'en commence plein, mais je les finis jamais. Mais là, c'était les vacances, donc j'ai posté moins de vidéos. Mais ici, c'est bon, c'est la rentrée. Je reprends le rythme normal, une vidéo par semaine, minimum. Voilà. Si je en mets plus une fois, j'en mettrai plus. Voilà. Mais sinon, ici, c'était les vacances. J'en ai posté moins et tout, parce que pas le temps de les tourner, etc. Oui, vous allez me dire, c'est bizarre. Le gars, il est en vacances, il a pas le temps de les tourner. What the fuck? Mais c'est pas grave. Freeze, super, vive le jeu. Oh, hélico. Hellcat. Tiens. Cette frappe en fait qui fait la merdouille. Voilà, ça charge. La zone elle charge et puis il y a frappe qui vient faire la merdouille. Deux Hellcat. Voilà, on attend. On attend que la zone territoire commence. Capture. Donc je disais oui, je reprends les vidéos une vidéo par semaine. Et je pense que ça va devenir une série présenter les modes de jeu d'Arma 3. Donc il y aura du exil. Ouh. Pas mal le petit Hellcat Camo là. Oh, je peux pas prendre de screen, putain. Ah putain, c'est frappe ce qui fait qui change tout. Attends, t'es chez. Fu. Attends. Donc là, vous voyez, money objective ta starting in 15 minutes. Voilà. Hein. Donc ça veut dire que c'est un nouvel objectif pour de l'argent, celui-là qui commence dans 15 minutes. J'ai l'impression que ce qui fait bugger, c'est les azimuts là qui changent à chaque fois quand on tourne. En fait, dès que je tourne la caméra, ça bug un peu. J'ai l'impression que c'est les azimuts qui font tout bugger. C'est un peu la merde ça. Strider encore en face, mais lui il est un peu défoncé, j'ai l'impression. Ouais, il est défoncé. Mais je suis obligé de tourner avec Fraps parce que j'ai un problème avec mon OBS. Je sais pas qu'est-ce qu'il veut plus prendre. Il m'a un écran noir en fait quand je. Il met un écran noir quand j'enregistre la capture de jeu en fait. Donc, je sais pas d'où ça vient. Après, on va prendre le L4. Notre ville, mais on attend 2 petites minutes que la zone soit prise. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'ennemis, mais quand on aura capturé la zone, on va se faire un petit peu d'argent. Ça veut dire qu'il y a un. Ça, c'est le fourgon qu'on avait pris juste avant. Qu'on avait pris tout à l'heure. Hop. Et plus jamais, hein, frappe. Celui-là, c'était un truc que j'ai raté. Parce que forcément, je suis tout seul, donc voilà. Et de toute façon, c'était un hélicoptère du DLC, donc j'aurais quand même pas pu le prendre. Comme vous pouvez le voir. Dans 10 minutes, il y a un nouvel objectif qui commence. Donc, nouvelle patrouille, un nouveau convoi, des trucs ainsi, des hélicoptères et tout. Donc, c'est sans cesse renouvelé et tout. Et tout et tout.
C'est pas mal. Ce petit mode là, j'y joue beaucoup ici. En ce moment. De temps en temps. Je joue à ça à Exil. Ah bah voilà. Putain, 15 000, attends, sérieux? Ça fait 15 000. Bah c'est le moment de vous montrer l'ATM. Alors. Voilà, là il y en a un. Donc on va tout redescendre et on va aller à l'ATM déposer notre argent. Donc j'aurais bien voulu prendre l'L4, mais ça va pas le faire en fait. Donc au pire on reviendra. Un aller-retour, on prendra l'L4. Donc re tout le monde, désolé pour la petite coupure qu'il y a eu en fait, manque de place sur le disque dur. J'ai en même temps essayé de régler, normalement il devrait plus y avoir de problème de lag. Voilà, c'est parfait! J'avais mis à 60 FPS, donc je suis redescendu à 30. Une vidéo classique, voilà. C'est ça les petits bugs en fait. Donc du coup on est reparti vers l'ATM, désolé pour la petite coupure. Le pire c'est que j'ai parlé après, c'est après seulement quelques minutes que je me suis aperçu que ça avait coupé. Donc on va toujours vers l'ATM, vous avez pas loupé grand chose, j'ai juste avancé. Voilà. Par contre vous avez loupé un magnifique salto avec mon véhicule. Justement je disais j'en parlais que les véhicules ils étaient super résistants. Ça aurait pu vous le prouver mais malheureusement vous l'avez pas vu. Et comme je disais, de toute façon, point de vue véhicule, à part les roues, tout le reste, c'est. Enfin, encore les roues, ça va quoi. Le pire, c'est les roues en fait, c'est juste ça. Vous avez plus de chances de péter les roues que d'autre chose en fait. Et de toute façon, vous spawnez, vous avez un. Vous avez un petit hélico là. Vous avez un repair kit sur vous. Et si vous jouez à plusieurs, bah c'est parfait. Hein. Là vous êtes tranquille. Bon le pire c'est si vous vous faites... On va aller Strider là-bas. C'est si vous êtes en train de vous faire tirer dessus, là c'est un peu plus la merde pour réparer le véhicule. Mais bon. On va sortir, on va y aller en mode on fait attention. On va déposer les 16 000. Voilà. 1, 2, 3. Withdraw. Deposit, pardon. Withdraw, c'est pour retirer. On va remonter dans notre petit Strider. Voilà. Donc, je disais aussi, j'espère vous trouver un mur ou un truc du style. Pour vous montrer un peu la construction, comment ça se passe, donc je vais pas construire une base et tout, hein. De toute façon je suis tout seul, ça servira à rien. Mais juste pour montrer à ceux qui connaissent pas encore comment ça marche et tout ce que vous pouvez faire avec. Alors, Town Invasion, attendez, on va essayer d'aller sur un objectif. Putain, ils sont tous à 10 km. Et vu que c'est Altis, bah c'est long. On va aller plus vers le Toy que le Toy. L'Altis Patrol Combat. Je sais pas pourquoi j'ai dit Toy. Toy. Je sais pas. Donc voilà. Je sais pas si vous l'avez eu ça, donc je leur dis. J'aimerais que ça se transforme en série là. Ça fasse partie d'une nouvelle série encore. Que je fais que ça moi des séries, ma chaîne elle va être basée sur les séries, sur les let's play et tout, mais ça ce sera une série de présentation. Donc putain, encore un hélico là où je rêve. Non non. Une série de présentation. Ça va, c'est Westland, le véhicule là rien. Ah un Zamak. Ça c'est quelqu'un qui est dedans. Ah bah nouvel objectif. Mais je peux pas aller le chercher vu que j'ai pas le DLC. Je parie que celui-là il va être tout prêt. Là-dessus,
va essayer de l'engager. Les tirs venaient de derrière là. Ah bah c'est le gars avec le Zamak. J'espère que vous êtes prêts, on va le défoncer les gars. Il est où? Là-bas. Non, si. J'ai pas de vaisseau. Ah, il est là. Essayer de lui péter une roue, ah, ça a pas marché. Ouais, tant pis. Donc je disais avant que... Merde. Avant que je sois coupé par un certain monsieur qui espérait me tuer. Que j'aurais aimé... Enfin, j'aimerais bien que ça se transforme en série, une série de présentations. Une présentation de quoi? Bah, de mode à Arma 3, de mode multijoueur. Peut-être solo aussi, je verrai. Donc j'ai encore plein de modes à vous présenter là. Donc là, je fais du Wasteland. Il y aura aussi du Altis Life, forcément. Du Arma 3 Life, du Exile, du King of the Hill, du Redline. Redline, ça, je vous ferai peut-être découvrir, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent. Ou ben voilà, là vous, j'aurais espéré qu'il fasse, qu'il se retourne carrément pour vous montrer que c'est résistant à mort ces véhicules sur Wasteland, mais non. J'ai fait du deux roues, voilà. Par contre, conseil, allez pas sur. Quand vous faites du Wasteland, n'allez pas sur du Altis. En fait, allez sur du Stratis. Moi, personnellement, je joue sur le serveur de Monsieur Rasuper. Son forum sera dans la description en dessous. Pour vous aller voir tous ses serveurs et tout. Lui, c'est sur Stratis. Donc, du coup, c'est nettement plus petit et on se retrouve nettement mieux et tout. Là, j'ai pas fait attention. J'ai pris le premier serveur où il y avait du monde. Mais sur celui de Rasuper, il y avait une personne. Pas intéressant. Ça c'est la mine de sel. Si je me trompe pas. Ouais c'est ça, c'est la mine de sel. Ah, un HEMTT. De l'autre côté. En 10 km ça va être long. J'espère croiser un peu de monde. Avoir un peu de contact. Pour pouvoir les défoncer. Bah, enfin je suis tout seul donc ça va être un peu chaud s'il y a plusieurs gars. Mais enfin voilà. Un hélicoptère. Pour le coup là le L4 il nous aurait servi. Ça va, on va approximativement à 130 km/h. Et voilà. En tout cas j'espère que cette nouvelle série vous plaira. Donc j'ai pas posté beaucoup de vidéos pendant les vacances. Je redis hein. Peut-être que vous l'avez déjà entendu, mais je redis, je ne sais pas, vu qu'il y a eu la coupure. Si vous entendez un doublon, désolé. Voilà. Donc, oui. Désolé de pas avoir posté beaucoup de vidéos pendant les vacances. Fuck la logique, hein, le gars. Le gars, il est en vacances, il a tout son temps pour en faire, mais il en poste pas. Pourtant, j'ai pas eu le temps. Voilà. J'ai pas eu le temps d'en faire. C'est pour ça. Mais ici là ça va être la enfin c'est la rentrée donc ce sera comme d'habitude une vidéo par semaine minimum voilà si je suis en mettre une de plus mettre un peu plus voilà si j'y arrive je le ferai et d'ailleurs il y aura prochainement la vidéo unboxing je vais prochainement tourner la vidéo unboxing il manque un abonné. N'hésitez pas à vous abonner hein, sur unboxing setup. Donc si vous voulez voir mon setup, n'hésitez pas à vous abonner. Tu seras le dernier, tu recevras un tuc. Voilà, tu recevras un tuc. Je t'offrirai un petit tuc. Putain, encore un hélico là et un Hummingbird. On va prendre le Hummingbird. Bon, je vais vous dire un truc, je sais à peu près piloter. Non, pas copilote, pilote. Pilote.
On va pas prendre les commandes, sortir. Voilà. Pilote. On n'a pas beaucoup de carburant par contre. Donc, ben oui, les commandes. Voilà. Donc je sais à peu près bien piloter. Le pilotage, le décollage, ça va. C'est l'atterrissage qui est un peu plus risqué. Et on risque tous de... Enfin, ou je risque de mourir. C'était quoi ce bip là? Voilà. Moi j'en ai rien à foutre du truc auto, par contre on a quasiment plus d'essence. Du vol stat auto, fuck. Voilà, moi je décolle sans. Par contre atterrir. Avec, on ira plus vite. Sur le truc voiture. Normalement ça suffit hein. Dans Westland c'est pareil, les véhicules ils ont quasi plus d'essence, mais vous pouvez faire des kilomètres et des kilomètres hein, avec pas besoin d'aller à la, pas besoin de faire, mais j'allais dire, remplir en fait. On va rester sur les terres parce que si on a plus d'essence ce serait bien de pouvoir se poser, j'ai pas trop envie de me poser dans l'eau. Aussi un mode Daisy que je pourrais vous présenter. C'est pas aussi bien que le vrai Daisy. Je pourrais aussi vous présenter du breaking point. Mais le breaking point il est chiant à installer. Il est pas mal ce mode, mais il est chiant à installer, il est super super. J'espère qu'ils ont modifié le truc. Ça prend la plainte de la place. Arrive, on prépare le vol stat parce que je sais pas du tout atterrir en fait. Le reste on va le faire à pattes. On va bien trouver un petit véhicule, on va voir ça. On va bien trouver un petit véhicule pour y aller. Il y a 500, enfin 600 mètres. Ah bah voilà, j'ai quand même réussi à imposer. Bah, je suis en vidéo, pour une fois j'ai réussi. D'habitude je m'explose, enfin l'hélico il est mort une fois que je suis atterri. Je suis toujours en vie et tout, mais l'hélico il est mort, il s'est pu redécoller. Donc soit je me prends un arbre, soit les palais se prennent un arbre, donc il n'y a plus de balles, soit le machin il claque trop fort contre le sol, donc bah, il est mort. Et tu sors vite avant qu'il explose. Mais ça va, je meurs pas, donc tranquille. Donc, il est où qu'on voit. Oh putain, elle tisse pas trop le convoi, il a fait tout ce chemin là en attendant. Tranquille. Bon bah on a 7 km encore, hein, pour faire ça on aurait pu garder l'hélico, mais bon pas grave. C'est ça qui est chiant sur Altis, c'est que c'est long. Voilà. Comme je vous l'ai déjà dit, un conseil, ne prenez pas du Wasteland sur Altis. Elle est sur Stratis. Tous les autres modes, à la limite, et les autres modes, pas de soucis sur Altis. Mais le Wasteland. Le Wasteland conseille Stratis. Moi, je joue toujours sur du Stratis, comme je vous l'ai dit, sur le serveur de Monsieur Rasuper.
sur le serveur de Monsieur Rasuper. Donc encore une fois, le lien de son forum pour vous regarder tous les serveurs qu'il a sont dans la description. Putain, le convoi il est pris. Ah, c'est un peu moins loin ça. Un hélicoptère armé. Mais aussi jouer avec des amis, c'est nettement mieux. Ou du moins jouer à plusieurs. Que tout seul, enfin voilà, c'est pas. De un, c'est plus risqué. Vous avez plus de chances à vous faire défoncer. Et c'est moins amusant en fait. Parce que en plus c'est Arma, donc tu te la joues un peu RP quoi. Dans le jeu. C'est bien cool. Surtout que sur le serveur d'Aura Super, sur celui que je joue d'habitude, ils jouent à peu près RP les gars, donc ça c'est cool. Mais la raison pour laquelle je suis pas dessus, c'est que il y avait qu'une personne. Et c'est pas intéressant. Hein. Enfin, sur Altis, ça revient au même. Même s'il y a plus de monde, mais bon. Là, ça servira allemand, comme j'ai dit. Je sais pas. Je ne sais point son nom. Ah, on voit les tours de l'aéroport. Là, on se rapproche. Ouais, c'est rapproche. Tant que vous y êtes, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like. Hein. Ça fait toujours plaisir. Et de poster un commentaire. D'ailleurs, sur la dernière vidéo, enfin un commentaire, oui et non, parce que c'est chiant en fait. YouTube fait que tu peux pas répondre. Donc, c'est ça le problème. Enfin, si, faut l'ajouter au cercle Google+, et faut le mentionner lui. Faut mentionner la personne qui a mis le commentaire et tout. Enfin, c'est la merde. Sinon, tu peux pas répondre. La dernière vidéo sur Agario, il y a quelqu'un d'ailleurs très gentil. Hein, merci à toi. Mais je préfère le faire tout seul en fait. C'est plus complexe et je préfère. Ça rajoute un petit défi d'être premier de la game. Mais il y a une personne qui m'a demandé si elle voulait venir, si elle pouvait venir m'aider pour être premier de la game sur Agario. Dans le petit let's play que j'ai lancé là, dernièrement. Mais j'ai pas su directement lui répondre. Pourtant j'avais vu son message direct. Hein. Donc si je vous réponds pas, ne vous inquiétez pas, j'ai lu votre message. Je réponds prochainement. Mais c'est que YouTube ne me le permet pas. Parce que YouTube, il fait un peu de la merde en ce moment. Avec ça, avant tu pouvais répondre direct. Mais là, YouTube, il est très méchant. Tu peux que bannir son com quoi, un truc du style. Donc voilà, on se rapproche de la zone, donc on va sûrement se faire tirer dessus par des PNJ et des autres joueurs. On va se mettre en première personne, ce sera mieux pour engager direct. Ah, par contre, ah si, j'allais dire par contre, il n'y a pas la croix là, le truc blanc au milieu de l'écran, mais si. Parce qu'il y a des serveurs où il l'a pas, c'est pareil, la troisième personne, il y a des serveurs où il l'a pas. Mais bon. Ça c'est à vous de choisir votre serveur, une fois que vous y êtes dessus, restez-y en plus. Vous allez avoir des connaissances et tout après. Donc ce sera nettement mieux quoi. Vous serez habitué du serveur et tout. Ah, là-bas il y a le mur de sable, je crois qu'on peut le bouger ou quoi. Donc je vais essayer de vous montrer en même temps. Et après j'arrêterai cette vidéo, il n'y a pas eu beaucoup de fights. Mais de toute façon, je referai sûrement des vidéos sur Wasteland où là ce sera réellement. Ce sera plus des présentations quoi. Ce sera une vraie vidéo. Hein. Où il y aura du fight, capture de zone et tout. Surtout que là je suis pas trop discret en fait. Je suis en plein milieu de l'airfield en train de courir comme un. Comme un fou là vers l'objectif direct sans faire attention à rien quoi. Debout en plus. Il fait la blinde de bruit, il est pas du tout discret, mais bon,
C'est vraiment que pour la présentation de la vidéo, hein. D'habitude, je joue un peu mieux, quoi. Mais j'aimerais pouvoir avoir un peu de fight, en fait. Avoir un peu de fight pour la vidéo. Ce sera un peu plus cool pour vous et ça terminera la vidéo un peu de manière bien, quoi. Que de me voir parler et marcher pendant... Ah, là-bas, il y a... J'ai pas une belle lunette, quoi. Ça, c'est des PNJ, hein. Allez, meuf. On va se rapprocher un peu parce que je les aurai pas. On va aller jusqu'au grillage là-bas. Donc ça c'est des PNJ, hein, c'est ceux qui gardent l'hélicoptère. On va se rapprocher encore. Parce qu'on a... J'arrive à les toucher, mais je suis un peu loin en fait. Et vu que j'ai pas de grosses lunettes. Un de mort. Hop. Putain, ils sont tous derrière le buisson là ou quoi? Oh. Il tire dessus là. Je vais arrêter cette vidéo quand je serai mort ou quand je les aurai tués. De toute façon, je jouerai plus sur ce serveur-là après, donc c'est pas grave. Si je meurs, au pire. J'ai 16 000, mais bon. C'est un peu cheat, quoi, de gagner autant d'argent comme ça. Ils sont où? Ah, j'en ai tué la blinde quand même. Ils sont là. Non, il est toujours pas mort. Alors, toi. Meurs. Toi aussi. Voilà. Bon, bah, objectif complete. On va s'avancer de l'hélico, mais il y a sûrement des joueurs autour. Hein. Tour là-bas. Sûrement un sniper ou un truc du style, mais bon. Fuck it, voilà. Dessus encore. C'est que je ne sais pas d'où. Essayer un peu de bouger n'importe comment pour pas qu'il nous tire.
semblait bien que le gars qui tirait, c'était pas. En plus de moi, c'était pas. Là, vous voyez des caisses. Donc, les caisses, c'est pour vous récupérer de l'armement, des explosifs et tout. Mais il me semblait bien que le gars qui me tirait dessus, c'était pas un. Un ennemi, c'était. Enfin, c'était pas un bot, c'était un. Un ennemi, un joueur. Donc, on va essayer d'aller voir dans la tour et. J'arrêterai cette vidéo là. Mais là-bas, on va aller voir dans la tour. Enfin, dans les tours et tout. On va aller check un peu parce que pour moi, ça vient de là-bas. Si ça vient pas de là, ça vient du bâtiment blanc là-bas derrière. Donc, mais là, on ira pas voir. Hein. J'ai mis la rafale pour pouvoir le défoncer. Hop là. C'est parti, on est parti. Hey hey, Captain G, Captain G, ok. Ça me tire dessus. Ok, c'est bon, je ferme ma gueule, j'arrête de chanter. Ça vient pas de la tour, du moins j'ai pas l'impression. Oh putain, shit. Shit, shit, shit. Je sais pas d'où ça vient, mais ça m'a bien explosé la gueule là, quasi. Pour moi, c'est l'autre tour blanche alors. Ça vient pas d'ici. C'est sûr, c'est pas dans la tour. Faut descendre. C'est là-bas, sûrement. Là. Cours. D'en face même. Ça a pas l'air de venir de ce bâtiment-là. Vu comment la balle elle l'a tapé, ça pourrait venir de la tour là-bas. Ah bah. Je suis mort. On ne saura jamais où était l'homme. Voilà. Donc, pour terminer, hein, on va terminer sur le menu de la mort. Donc quand vous êtes mort, vous avez 2 minutes, 3 minutes on va dire. Je crois que c'est ça, ouais, vous avez 3 minutes de temps pour qu'on vienne soit de vous stabiliser, donc rajouter du temps, donc revenir à 3 minutes, soit venir vous revive, mais là, vu que je suis en indépendant, il n'y a personne, hein, de toute façon, il n'y a personne qui serait venu. Vu qu'indépendant c'est vraiment tout seul, contrairement à bleu et rouge là c'est en équipe. Et de toute façon je jouais avec personne, donc si j'aurais eu un autre indépendant dans un groupe que j'aurais créé, eh ben là j'aurais pu il aurait pu venir me réanimer. Et puis on a suicide. Pour se suicider, voilà, de toute façon là on n'a rien d'autre à faire. Je suis cinquième avec des kills de PNJ avec les 6. En fait je les ai tous eus, les PNJ. Et une capture. Donc voilà. Donc je vais vous montrer. Donc vous avez random, une ville avec un joueur de votre équipe à côté ou un beacon pour sauter en parachute. C'est toujours avec un joueur. Donc là en fait on n'a pas en safe zone. Donc là vous avez le petit piu-piu de base. Et donc vous avez airdrop menu. Je sais pas ce que c'est, véhicule. Ok. C'est pour faire ça, je savais pas, c'est sur ce serveur-ci qu'il y a ça, supplies, pour faire apparaître des munitions, enfin faire dropper des munitions et tout. Donc là, holster weapon pour ranger l'arme. Et ici, vous avez le menu, donc vous avez votre argent. Oh, on peut la déplacer. Vous avez votre argent, votre nourriture, votre soif, pour manger, boire, le repair kit, EEM info, je sais pas ce que c'est les règles, enfin les trucs du serveur, la distance de vue de l'herbe, near. Medium phare, donc loin, close et group management, donc c'est là où on a invité un joueur pour être dans le même groupe, et donc vous le voyez avec un petit hexagone, et ça devient votre allié, donc ça tire le même,
juste pour le plaisir, on va de dire de tirer. Et donc moi, c'est ici que je vais vous laisser sur cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like. Je vais le mettre de l'autre côté. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire. Commentaire, désolé si je ne réponds pas tout de suite. Ne vous inquiétez pas, je vais, dans tous les cas, je réponds toujours aux commentaires. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner. Le prochain abonné, je lui ai dit, je lui offre un tuc. Voilà, j'enverrai un tuc par la poste. Et vous aurez la vidéo setup comme promis aux 150, 150e abonné. N'hésitez pas à aller voir ma page Facebook, mon Twitter, mon Twitch où je fais des lives. Allez voir la YOLO stream. Ça avance petit à petit. Et tout le reste qu'il y a dans la description. Voilà. C'était Aurélien 48126. Moi je vous dis à la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et que la série aussi. Enfin, la série va vous plaire. Salut tout le monde!